Pèlerins de l'espérance sur la route de la réconciliation et de la paix. Voici la thématique qui a retenu les attentions et abreuvé les intelligences des supérieurs majeurs pendant 2 jours au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun en Volier. Venus d'au moins 4 provinces ecclésiastiques sur les 5 que compte le Cameroun, les supérieurs majeurs des congrégations et instituts de vie consacrés ont répondu à l'invitation à participer à la 45e Assemblée générale de la Conférence des supérieurs majeurs du Cameroun. Présidée par le très révérend père Ferdinand Owononzi, oblat de Marie Immaculée, les supérieurs majeurs ont bénéficié de la présence et de la participation aux travaux de Mgr Faustin Ambassandjodo, archevêque de Garoua, et de Mgr Philippe Alambarga, évêque des Bolova, respectivement, président et vice-président de la commission épiscopale en charge de la vie consacrée. 11 résolutions visant à réaffirmer l'engagement de la vie consacrée pour une fraternité véritable soutenue par les idéaux de paix, de justice et de réconciliation ont été adoptées. Une orientation qui donne à la vie consacrée de répondre à l'exigence de prophétisme rappelée par Mgr Jean Barga dans son homélie pendant la messe d'ouverture des travaux qui se sont déroulés dans un esprit de synodalité en prélude au jubilé de la vie consacrée qui sera célébré au Cameroun du 31 janvier au 2 février 2025. J'aimerais vous souhaiter une bonne année de prière de 2024 en vue du grand jubilé de 2025. J'aimerais aussi exprimer ma gratitude pour tous les religieuses, pour tous ceux qui font dans ce pays, soit dans les prisons, soit dans les hôpitaux, soit dans les institutions d'enseignement et toutes les institutions dans notre société qui cherchent d'accompagner et aider la population. Vraiment, votre témoignage est héroïque. Il faut le connaître et il faut vous remercier. Et remercier tous ceux qui s'unissent dans un esprit de prière pour qu'on puisse toujours porter une mieux société qui se réalise et qu'on peut faire un mieux monde. C'est avec la messe pontificale, présidée par son Excellence Mgr José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, que les rideaux sont tombés sur la 45e Assemblée générale des supérieurs majeurs au Cameroun. Depuis Volier, je suis Thomas Vondor pour le compte de Clarette Télévision. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.